Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, allez, on va regarder les énergies, d'accord? Les messages que je peux te faire passer. Là, on parle du... Ouais. Alors, peut-être qu'on te dit aussi que tu as évolué, que tu as fait un travail dans tes énergies. On te dit également que tu es guidé et très protégé. Tu es très connecté, hein, d'accord. Après, ça peut être aussi au niveau de ta vie professionnelle. On te dit que tu es quelqu'un de fidèle, de loyal, de sincère. Je vois aussi que il y a des rapprochements qui vont se faire assez étroitement au niveau professionnel, mais aussi ça peut être bon pour certains une rencontre allez qui peut se faire par le biais du travail. Après ça peut être aussi certains bon qui vont envisager sentimentalement de travailler à deux. Je vois aussi des rapprochements professionnels et des collaborations qui risquent d'arriver face évidemment à ça. D'accord, voilà. Donc en gros, ben on combat le mal par le mal en se rapprochant de personnes qui subissent parfois les mêmes les mauvaises les personnes qui sont très mauvaises et qui vous veulent du mal. Donc comment faire puisque ces personnes font pareil? Tu fais pareil. C'est-à-dire puisque on te veut du mal professionnellement et affectivement, tu vas pas rester comme ça à attendre qu'on t'envoie des fléchettes, d'accord? Donc forcément, il va y avoir de la riposte, d'accord? Et que t'inquiète, que je vois aussi certains rapprochements pour combattre le mal, parce que sinon, tu te fais écraser. Est-ce que tu comprends? Parce que je vois vraiment de mauvaises personnes. On parle du coup qu'il va y avoir du changement et des personnes qui vont s'éveiller et qui vont comprendre qu'il y a des mauvaises personnes. J'ai le signe de terre et un lâcher prise sur sûrement de mauvaises choses. J'ai des personnes qui viennent parler en cachette derrière le dos. On essaye aussi de te piquer peut-être ton mec ou ta nana. Tu vas apprendre des choses, bien évidemment, qui vont très te décevoir. Hein, on a dû aider et soutenir des personnes assez pleurnichardes. Hein, ne t'inquiète pas, tu es très protégé. On a voulu te casser une relation affective, mais aussi des liens d'amitié. D'accord?